Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prison Architect. Oh yeah, et c'est l'heure du yard. Comme d'habitude, à chaque fois ils sont en train de s'agglutiner là, tous ensemble, autour des billards et ils gueulent puisqu'ils ont des vêtements crades, ils veulent que ça change. D'ailleurs il y a un intrus ici, le type a les cheveux bleus. Ah, mais lui aussi ça doit être un un des développeurs du jeu. Et il a encore 7 ans à tirer. Eh ben mon gars. Ok, mais c'est marrant ça, ils ont implémenté des mecs qui ont développé le jeu dans le jeu au final. Ce qui est plutôt sympa. Donc aujourd'hui, alors petit programme. Qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, on va se terminer ça. Bon, la laverie j'avais terminé. Mais là on va essayer de se faire ça, on va essayer de se faire le workshop là tranquillou, qu'ils puissent bosser hein, parce que là ils foutent rien de la journée. Donc on va s'y atteler tout de suite avec les petits murs, va falloir rajouter les caméras de sécurité bien évidemment. Puis tout le tourin-tourin qui va avec, les scies, les presses, enfin vous avez pas oublié comment on fait un workshop j'espère. Ici on va faire une espèce de petit endroit sympathique. D'abord, on va mettre une porte en plein milieu. Si je dis pas de conneries, je pense que c'est là. Voilà, parfait. Ici, une porte. On va pas foutre de porte ici. Par contre, on va mettre la masse de détecteurs de métaux. Parce que le trafic de fourchettes cuillères a repris. Hein, de plus belle. Là il faut que ça se cale. Hein. Bon, alors, on va tout de suite foutre d'abord la room. Comme ça. Ce sera fait le workshop. Alors, workshop c'est toujours orange. Voilà. 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 Nickel. On va mettre un sol différent, bien sûr. Parce que là, c'est pas très joli. Ah, par contre, ça c'est chiant là qu'ils te foutent ça en plein milieu. Bon, tant pis, on s'en fout. Alors, il nous faut bien sûr des scies. Les scies qui seront pas. Qui seront placés, pardon, excusez-moi, à côté gauche. Voilà, parfait. Alors là, ils pourront bosser. Putain, là, j'en ai pour mon fric, là. Hein. Putain, ça vaut la... 12 000 boules. Oui, 12 000 boules. Vous l'avez bien entendu, des boules. Pareil, on va mettre le même nombre. Ça va me coûter aussi cher. Si... ouais, ça m'a coûté 12 000. Bon, on s'est ruiné pour acheter toutes ces conneries là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite prendre des petits contrats. Écoute, on prend tout. Ouais, bah en fait, je les ai déjà tous réalisés. Bon, bah toute la thune que ça m'a donné. Lol. Peut-être prendre celui-là. Voilà, plus 50 000. Voilà, on est tranquille niveau fric pendant un bon petit moment. Pardon. C'est nickel. Donc, ils vont construire ça. Bah, ce qui fait que ici, on va pouvoir mettre des bancs. Ouais, parce que ouais, en fait j'avais fait des... Voilà, une zone où ils peuvent se poser. On va foutre des bancs là. Voilà, comme ça ils pourront se poser tranquillou. Entre 2-3 pauses, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? C'est bon. On va leur mettre un sol de toute beauté. Alors par contre... On va essayer de mettre un métal ou un sol en métal, ça le fait ça, genre un truc un peu à la usine, vous voyez. Un truc un peu industriel. Ça pourrait être sympa ça, par contre j'espère que ça va pas me coûter la peau du zboob. Ce serait sympathique. Voilà, va pas être magnifique cette salle. Ici on a foutu les détecteurs de métaux qu'il faut bien évidemment relier au secteur. Ah merde, il y a tout ça aussi. Ah. Ouais, on va faire ça comme ça. Ça, là. Logiquement, ouais. Ouais, c'est nickel. Le raccordement s'est fait automatiquement au final. Bon, par contre, là, quand je suis à cette vue-là, ouh là, putain, on descend à 14 FPS. C'est un peu la grosse merde. Bon, là, on est aux environs de 30 FPS. Il faut dire qu'il commence vraiment à bouffer ce jeu. Ah, ben voilà, ils bossent. Enfin, ils ont réussi à laver ces foutues combinaisons. Ils auront du linge tout propre dès demain matin. Regardez ça, ce sol il est juste trop classe. Ça va faire usine un peu. Ouais, ça le fait bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan.
D'ailleurs, on va accueillir de nouveaux prisonniers bientôt, mais on a largement assez de place pour les accueillir. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va s'occuper de détruire ces petites merdes là. Voilà. Et ici, j'avais dit que je mettais une porte aussi. Voilà. Ok, bah c'est parfait ça. Ah, ici, ils ont pas. Je vais faire une deuxième tac solitaire parce qu'on sait jamais. Mais pour l'instant, l'ordre règne dans cette prison. Et c'est parfait. J'aimerais bien que. Bon. Oui, par contre, là, on va accueillir des high risk dans la prison. Donc ça va se corser un petit peu. Ici, j'avais pas vu. Mais... Ah non, c'est ça. J'avais pas fait cet endroit. Voilà, on va faire tout le pourtour. Voilà. Et encore une cuillère, bah décidément. Putain, je sais pas ce qu'ils ont avec les cuillères, sérieusement, mais il va falloir vite enrayer ce trafic incessant. Hein ? Qui n'apporte rien de bon pour la prison, vous voyez ce que je veux dire. On va bientôt installer les chiens, je pense. On va se faire ça bientôt. En tout cas, ils ont l'air heureux dans leur petite prison là. Regardez, bah, dans leur grande prison finalement. C'est l'heure de la bouffe, tiens. Alors, voyons voir si tout se passe bien. J'avais rajouté des poubelles. Quoi ? Oh, wow, wow, non, 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 hit. Holy shit, qu'est-ce qui se passe? Holy fuck. Holy fuck, une putain de coupure d'électricité, ça va pas le faire. Alors déjà, dans ce genre de situation, donc cette fois, je sais que c'est la bonne, je vais devoir construire une autre. Je vais devoir construire une autre station, parce que ça bouffe tellement trop d'électricité. Ok, c'est parti. Les amis, attendez. C'est du 7 sur 7. Est-ce que je peux faire du 7 sur 7 là, la crise oblige. Là, je vais être obligé de reconstruire une power station. Manque d'électricité. Là, par contre, ça va pas le faire du tout. Je vais vite. Voilà, on va faire ça. On va rajouter des batteries, notre power station. Allez, maniez-vous les ouvriers là. Bon déjà, vous tournez en switch off. Vous switchez off toutes les batteries. Et après vous les rallumez une par une, bien évidemment. De toute façon elles sont toutes off normalement là. On va le faire quand même, on sait jamais. Ah, c'est pas super intéressant hein, mais qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant? Oui, je vais vous raconter ma vie. J'ai 11 en philo, je suis super content, c'est magnifique. Ah là là, on fait péter le champagne ce soir là parce que hein, j'attendais ça depuis un beau bout de temps. Bref, on s'en fout. Et voilà, j'ai terminé. Même si je suis sûr que ça va pas servir à grand chose. Voilà, parce que là c'est un petit peu la merde au final. J'ai pas. Résultat, ben voilà. J'ai pas pu voir s'ils avaient bien bouffé. Merde, mais ça va être emmerdant. Ah oui, merde. Ils ont intérêt à se grouiller. Oh putain. Ils sont bloqués depuis tout à l'heure, ces idiots. Mais eux aussi en plus. Putain. Oh là là, putain. Fuck. Ils vont pas pouvoir préparer le petit déj. Ah ben voilà. Peut-être l'élément déclencheur d'une future rébellion. Pendant ce temps-là, les docteurs, ils se font chier littéralement. Vous voyez par contre quand... putain, c'est la merde. Hein. Ah, j'ai gagné pas mal. Quand il n'y a plus d'électricité, c'est juste le caca tout mou. Ce qu'on va faire, c'est que cas de crise oblige, 1, 2, 3. On va rajouter 3 ouvriers. Bon, ça m'a fait un petit trou dans le budget, mais je vais gagner des prisonniers au risque. C'est pas. Allez, installez-moi ça, là, maniez-vous. On va rallumer chacune des batteries. Ouais, comme ça, on va juste pouvoir switcher on. Je vous raconte pas pour la salle d'exécution, hein, on va en chier, hein, EDF, ça va péter là. Hein, on va payer une espèce de facture monumentale. Je vous raconte pas le nombre de chiffres hein, après la virgule. Après le 1.
Ok. C'est parfait. Alors, construisez-moi ça, s'il vous plaît, parce que... Allez, allez, on se magne. Bon, il ramène toutes les batteries. Putain, j'espère que là... J'espère que les cuisiniers vont pouvoir bosser. D'ailleurs, c'est marrant parce que les cuisiniers, ils dorment jamais. Mais il y en a plein qui dorment pas, c'est quoi ce délire? Vous avez du linge propre, normalement, hein. À moins qu'ils aient fait que... Ah oui, d'accord. Déjà, il y a du linge propre dans ces cellules-là. Et ils ont laissé le bac à linge. Peut-être que je pourrais rajouter des bacs, on sait pas. Je vais voir ça. Ici, ici, ils ont foutu là. Donc, normalement, ils ont du linge propre dans toute cette partie de la prison. Et ici, peut-être... Je suis pas sûr qu'ici, ils aient eu du... livraison de linge propre. On va voir ça. Dans le menu needs, donc ils dorment. Ouais, bon, ça... Bon, ça commence à baisser un peu le clothing. C'est parfait. Ok, nickel. Alors, ils ont toujours pas construit la... Ah, merde, putain. Construisez-moi la power station, putain, bande de cons, là. Allez. Putain, ils vont devoir préparer le petit déj, ce sera jamais prêt, là. Mais construisez pas le sol. Putain, d'ailleurs, ici, je vais foutre des lumières parce qu'on voit que dalle. Construisez cette putain de power station. Bordel de merde. Putain, je stresse pour le petit déj, là, ça va être la merde, hein. Ah, c'est bon. Non, il construisait les lumières, l'enfoiré. Construisez-moi cette putain de... Il me dit pas qu'ils sont bloqués. Non, c'est bon, ils arrivent. Ils arrivent avec toutes les batteries. Allez, on va accélérer le temps vite. On va espérer que le petit déjeuner sera prêt. Bon, pour l'instant, ça a pas l'air de trop poser de problème. Et évidemment, ils sont coincés là comme des idiots. Et ces idiots, ils font tout le tour. Par contre, construisez-moi ce mur, là. Putain, ils vont laisser un mur là, quoi. Je reviens pas. Je vais casser ce mur et on le refera après. Ok. Donc, c'est bon. On va pouvoir redémarrer l'électricité. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Là, on tourne en on. Switch on, voilà, c'est parfait. Là, on switch on. Voilà. Ah, shit! Merde, alors là, putain, j'ai un petit problème. Comment on fait pour faire une station Putain, alors ça va être un gros problème. Ça va être un petit problème. Alors, si vous avez... Parce que là, je sens que ça va être la merde. Au final, je... On va s'occuper d'une pauvre... Putain, ils auront pas de déjeuner. Ça va gueuler. Putain de merde, ça va gueuler. Ah, mais c'est parce qu'ils ont pas encore construit. Ah, tu m'étonnes, alors. Venez construire ces fils à la con. Putain, venez construire ces fils de merde. Putain, ils me font stresser, les mecs. Non, mais le petit déj sera jamais... Mais eh oh. Oh, les gars. Et ils se foutent de ma gueule. Ah non, c'est bon, ils ramènent des câbles. Putain, ils me font stresser. Il y a qu'un clampin qui a compris, quoi. Ils me font peur, les types. Ils me font peur, ils me font peur. D'accord. Mais t'es sérieux, toi? Non, mais les mecs, là, putain, ils auront pas de déjeuner. Essayez de comprendre. Ah, c'est bon, je... Non, peut-être... Ah, je sais pas. Ici, ici, évidemment, ils ont laissé un mur. C'est bon! Parfait. Ok, alors ça, on va mettre switch. Alors, bon, on va devoir les rallumer tous une par une, les batteries. On va faire ça en cœur, simultané. Vous allez voir, ça va être la fête de la lumière. Par contre, c'est tellement chiant à faire... tout seul que c'est... Et le jour se lève. C'est le caca tout mou. Ok. Bon, c'est parti. Quoi? Oh,
les chiettes, merde. Qu'est-ce qui se passe? Non mais... Ah là c'est le caca tout mou là. Putain mais qu'est-ce qui va pas? Alors dites-moi ce que ça signifie quand il y a un petit éclair à côté de la power station, parce que là je sens qu'on va y passer 50 ans sur une pauvre power station de merde. Voilà, entendre ce bruit à la con qui pète les oreilles. Ok, c'est parti. Je vais devoir me le faire à la main. Alors là, je ne comprends pas par contre. On peut avoir... J'espère qu'on peut au moins avoir deux... J'aurais dû faire une alimentation électrique rien que pour ça en fait. Ou alors pas les allumer en même temps. Attendez, on va tester. Alors ça, switch off. On. Voilà. Switch on. Mais non, putain! Oh là là, mais c'est la merde. Les amis, cas de crise majeure. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Écoutez, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Attendez. Ah, power switch. Non. Toggle. Je sais pas ce que ça veut dire. On va essayer de construire ça. Peut-être. Là pour le coup je vous dis je ne sais absolument pas ce qui se passe. D'abord on va faire deployment jobs donc ici on va mettre le reste. Voilà. Ils iraient tous bosser là. Le problème c'est qu'évidemment si ils ont réussi quand même à... Mais il y a des trucs sur le feu quoi. Et il y a les prisonniers à risque qui sont arrivés, c'est la merde. Bon au pire ça va les sauver un petit peu. Peut-être je sais pas. Non, je sais. Le power switch, je sais pas du tout ce que ça fait. Ah putain, là écoutez, là, je suis bien en... Il s'avère que je suis bien emmerdé. Bon, je vais le refaire. On va réessayer une dernière fois. Putain, c'est la merde. On est à peine à. À 17 minutes d'épisode, quoi. Non, mais oh là, on va pas se laisser emmerder par ça quand même. Au pire, j'irai voir. Écoute, on va se faire ça. Par contre, je comprends. Bah, quand il y a un petit éclair, ouais. Faudrait que vous me renseigniez. Oh là, ça fait deux. Ça fait quatre fois que je fais ça au moins depuis le début de la vidéo. Vous vous rendez compte? Ah là là, j'espère que nos prisonniers high risk vont pas foutre le bordel dès le début. Parce que l'émeute là, sans électricité, ça va pas le faire. Et on m'a dit aussi de faire un shakedown. J'avais pas pensé. Bah, je vais le faire maintenant, tiens. Attendez, je rallume juste toutes les batteries. Check down. Allez, c'est parti, on va se faire un petit check down. Bah déjà, ils ont trouvé 5 cuillères et ils ont 207 places à fouiller. Ok, ils ont pas fini. Donc déjà, personne ne bouge, putain. De la drogue de partout. Ils sont à la cantine, eux. Mais ils ont pas de bouffe. Putain. Oh, ça va, finalement, c'est pas si terrible que ça. Bon alors, comment on fait ici? Comment on fait? J'ai peur que là, ce soit un peu la merde. On va essayer de faire ça. Eh putain, ils ont trouvé des brosses, des cleaning brushes. Non mais t'es sérieux. Des cuillères en bois aussi. Attends, mais comment ils font pour aller dans la cuisine? De truelles, bah oui. C'est du moins exotique, comme on pourrait dire. Tout à fait, un petit peu exotique. Et là, ils vont laisser un mur encore, c'est con là. Putain, va falloir que je réussisse à virer ces murs là, les deux murs là et ce petit muret là, sans parler de l'autre muret en haut. Putain. Des sacs de monnaie quoi. Ils ont des sacs de. Des cuillères à foison. Du poison même, il y a un type qui avait du poison. Est-ce que j'ai trouvé des tunnels? Eh ouais. Ouais, il y a des mecs qui sont amusés à creuser des tunnels. Bon, ils sont pas allés très loin, hein, j'ai l'impression.
Mais sinon, à part ça, il n'y a qu'un seul clampin qui a essayé de faire un tunnel. C'est rassurant. C'est rassurant. Bon, par contre, on va refaire un petit essai là. Ils ont déjà construit. Attends, mais comment je vais faire ça? À moins que. Comment je peux faire ça? En même temps? Allez, en même temps. What? Mais ça les pète en même temps. Écoutez, j'ai une idée. J'ai une putain de brutasse d'idée. Déjà, dismantle here. Ok. Dismantle here. Dismantle here. And c'est tout. Voilà. Mais non, pourquoi j'ai fait ça? Je suis con. Bon, il va le détruire, c'est pareil, il le reconstruira. Ok, donc, pour la énième fois, je ne sais pas depuis combien de... Enfin, de... Je sais pas combien de fois ça fait... Enfin, depuis le temps, quoi, bref, j'arrive même plus à parler. Voilà. On va couper le carrément tout, là, le circuit, par ils auront pas pu bouffer à midi. Bon, ok, aujourd'hui, ils auront pas pu bouffer. C'est pas grave, ça va les sauver un petit peu. On va les rallumer les deux en même temps. Mais je sais pas si ça pose problème en fait de les poser les deux en même temps en fait. C'est bon? Donc, si je dis pas de conneries, switch on. Non, merde, c'est ça. Switch on. Quoi? Mais attends, mais t'es sérieux là? D'accord, ok, j'ai compris, j'ai encore fait une bourde. Alors, est-ce que par hasard... Ouais, non, on va couper ici. On va couper ici, on va couper ici. Et j'ai plus qu'à me retaper le truc. Putain, mais hey, décidément, c'est vraiment chiant. Je le fais une dernière fois. Écoutez, the last, hein, the last. Il y en a un, il va juste aller enlever le petit bout de câble. Juste histoire de... Voilà, il va faire ça. On va rallumer. On va faire ça pour la deuxième power station. Et puis ce sera tout. Voilà, c'est bon. Voyons voir si ça va marcher. Donc je regarde, je vérifie. Là je sais qu'il y a juste l'eau, la flotte. C'est bon, c'est relié en rien. Switch on. Voilà, maintenant celle-ci, on va faire pareil. Non, 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 merde. Déjà on va tout allumer. On va dismantle tous les câbles. Vous allez voir qu'on va s'en sortir. Je vais allumer lui. Ouais, parfait. Aujourd'hui on n'aura parlé que de capacitors en tout genre, de batteries, de power station. Bref, de trucs pas super super intéressants. Mais bon, de quoi je peux vous parler? Putain, ils ont trouvé de ces trucs. Des râteaux quoi. Ouais. Donc je voulais vous parler par exemple, on m'a dit, on m'a fait découvrir un jeu qui a l'air vraiment sympa. Il s'agit de Rimworld. Alors c'est un jeu indépendant aussi, comme Prison Architect. Et justement, avec les mêmes graphismes que Prison Architect, sauf que vous êtes par exemple... pourquoi il bouffe à 3h déjà? Ah, j'avais sûrement mis ça. Donc c'est un Prison Architect Lite, sauf que vous êtes dans une... Vous êtes sur une planète. Vous venez d'atterrir sur une planète dans l'espace et tout. Vous avez un équipage, je sais plus combien de personnes échouées là. Et votre but est de faire une colonie. Vous avez des ennemis, vous devez défendre votre base face à des martiens plein d'ennemis. Enfin voilà, c'est un peu le même système. Et ça a l'air d'être très 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 intéressant. Je pense que je vais bientôt vous faire un let's play dessus. Alors merci aux gens qui me l'ont présenté ce jeu, parce qu'il a l'air vraiment cool. Il faut le dire. En tout cas, merci beaucoup. Je pense vous faire un let's play dessus. Il faut juste que je me familiarise un petit peu avec le jeu. Puis après, on pourrait voir. Alors, switch on. C'est bon là? C'est parfait. Et maintenant, on rebranche tout le bordel. Bah, c'est parti. C'est parti. Voilà, on va rebrancher tout le bordel et on va voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur.
J'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu peur. Alors par contre ils ont intérêt de se manier le derch. Putain, et l'autre il est coincé comme un con. Par contre il y a plein de linge là. On va voir si d'ailleurs il s'est sali le truc. Ouais, ça a baissé, la demande en linge propre a baissé. Et il y a une bagarre pour la première fois. Où ça? C'est où? Ah merde. Un mec qui a essayé de se barrer, ben voilà, ah il risque. Dan Wilson qui a essayé de se barrer, il a 39 ans à tirer, bah oui tu m'étonnes le pauvre. Il a 39 ans, c'est énorme. Et en plus lui il a plaidé non coupable pour tout, toutes ces condamnations, studio, tu m'étonnes. Bon alors ils vont me construire ces câbles ou quoi là? Oh putain. Elles ont encore pété. Là les amis, je suis dans la merde. Je suis dans la grosse merde. Alors si vous avez la solution, dites-le moi, parce que là c'est panne électrique non gérable là. Pour le coup. Mais c'est quoi ce délire? On peut pas mettre. Comment je fais? Ça on va le dismantle. Et si vous avez la solution concernant ce problème électrique, faites-moi signe. Sauf si j'ai trouvé par hasard la solution avant. Ça, on va le foutre ici, là. Attends, mais je peux pas. Je comprends pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, écoutez, on va. Putain, ils vont passer. Ah, ça va être la merde là. Ici ils ont pas d'électricité. Eux ils veulent rentrer dans la cuisine. Ils sont un petit peu cons. Parce que les mecs, vous passerez pas. C'est pas grave. Y en a qui se baladent. Ouais voilà, ils peuvent pas travailler. Ah bah y'a un tunnel ici, tiens. On est pas fait gaffe. Ah c'est sympa ça, voilà. Ça vous apprendra à essayer de vous évader. Ouais là c'est vraiment la merde. Ils peuvent pas se doucher, c'est vraiment la catastrophe. Alors ça je comprends pas. Putain. Je comprends pas le problème. Bon bah si vous avez une solution dites-le moi, parce que eux je sais pas ce qu'ils font. Ils attendent là comme des cons. Ah bah si. Les presses elles marchent. What the fuck, comment ils arrivent à faire ça? Y a pas d'électricité les gars. Tiens d'ailleurs, déploiement, je devrais mettre un ou deux gardes ici. D'ailleurs on va racheter des gardes. On va mettre 2-4 gardes. Allez, un nombre rond. Fait péter le budget. Ouais, y a des prisonniers qui travaillent quand même, mais y a pas d'électricité. Alors les mecs, dites-moi comment vous faites là. Dites-moi votre secret, parce que là... voilà quoi. Moi je comprends pas trop le principe en fait du truc quoi. Et ça commence à devenir un peu emmerdant puisque là putain. Ah c'est vraiment la cata. La méga catastrophe là. Je sais pas comment on va faire hein. Je vais aller voir sur un forum mais... Déjà je vais rallumer toutes les batteries, comme ça sera fait pour les prochains essais. Putain mais décidément, c'est un truc de fou, vous aurez vu que ça, les batteries. Alors les enfants, l'histoire de la batterie est très ancienne. En effet la batterie était perdue à la fin du 19e siècle grâce à... Bon voilà, hein, vous connaissez l'histoire de la batterie. Et ils s'amusent, les types ils ont de la volonté, hein, c'est ça qui est bien. Ils veulent travailler, mais il n'y a pas d'électricité, pas de lumière. Les types, ils les font fonctionner à la force des bras. Rien à foutre. Je vais trouver cette putain de solution. Bah, apparemment, ça marche sans électricité. Alors, ça va me faire un petit pécule à la fin de la journée. Ça remboursera le... Non. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Mais ça va pas. Non, mais cassez-vous. Qu'est-ce qu'ils foutent dans la cuisine? Oh. Putain mais... Oula. Ah là, qu'est-ce qui se passe? Oh shit. Je crois que le jeu a planté.
Le jeu a planté, il me semble. Attendez, on va voir ça. Ok. Le jeu a planté. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Aucun. Ok, le jeu a planté, les amis. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, c'est là, résultat. Bon, il y a eu l'auto-saving, c'est pas grave. Donc, sur ce, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez un petit j'aime et un petit commentaire. Et à la prochaine. Salut à tous.